j'entends souvent dire, peut être réaliste. Le réalisme, c'est accepter l'ordre des choses, sans vouloir le changer. C'est accepter qu'il y ait 3 millions de personnes mal logées, pas de sécurité du logement. C'est accepter qu'il y ait 2,5 millions de chômeurs, pas de sécurité du travail. C'est accepter qu'il y ait des milliers de licenciements, pas de sécurité de l'emploi. C'est accepter qu'il y ait 4 millions de personnes au-dessous du seuil de pauvreté dans notre pays. C'est cela, la véritable insécurité, qui est l'insécurité du lendemain, l'insécurité de l'avenir. Je crois que c'est ça, c'est l'angoisse quotidienne pour des millions de personnes aujourd'hui, qu'on la trouille du lendemain. Et la caricature, et ben c'est nous, des millions de jeunes aujourd'hui, qui cherchons un emploi, alors qu'on propose à nos parents de travailler un peu plus, et qu'on n'est même pas capable de leur garantir un revenu décent. Parce que ce qu'on essaie de nous faire croire là, sur le système des retraites, c'est que ce serait d'abord un problème démographique. Alors qu'on sait tous que c'est d'abord un problème de proportion entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent plus. Et on ne le dira jamais assez, mais il n'y aurait pas 2,5 millions de chômeurs aujourd'hui, on ne se poserait même pas le problème des retraites. Tout simplement parce qu'il y aurait 2,5 millions de cotisants en plus. Et toutes les propositions de fonds de pension ou de capitalisation, bah c'est l'insécurité la plus totale. C'est le contraire de la solidarité entre les générations. Parce que d'abord, c'est chacun pour soi. Et puis c'est jouer au casino de la bourse son propre avenir. Parce qu'on va confier l'argent des cotisations sociales de millions de personnes à quelques assureurs, à quelques banquiers, qui n'ont qu'un seul réalisme en tête, celui de réaliser du bénéfice. Les retraites, en somme, c'est les retraites par participation qui consistent à utiliser une administration publique pour les gérer. Malheureusement, tous les gouvernements qui succèdent annulent les entreprises publiques. Bientôt, la Poste deviendra une entreprise privée et les gens seront obligés d'aller chercher leur courrier dans les bureaux plutôt que de les recevoir à domicile avec un facteur aussi gentil que le facteur de 27 ans que j'ai à côté de moi. Aujourd'hui, c'est même un vrai choix de civilisation. Même la nature, aujourd'hui, peut être achetée par une poignée d'individus. Et bien, nous, on pense que la protection de l'environnement, c'est contradictoire avec le libéralisme. Et le problème, c'est de savoir à qui on fait confiance, soit aux multinationales, soit aux populations elles-mêmes. Parce que si on demandait vraiment leur avis aux populations de Chamonix, le tunnel du Mont Blanc, il ne serait sûrement pas réouvert aux camions. Et si on demandait leur avis aux populations de Toulouse, le pôle chimique, il serait toujours fermé actuellement. L'écologie, c'est l'équilibre de l'être humain avec la nature. C'est-à-dire des cours d'eau qu'on surveille, des océans polaires qu'on empêche d'être détruits, de l'air qu'on empêche d'être pollué, des rivages qu'on empêche d'être bétonné, et surtout, il faut bien le dire parce que ça fait partie de l'écologie, des guerres qui n'ont aucune raison d'être autre que religieuse ou ethnique et qu'il faut abolir. C'est ça aussi l'écologie. Bah, tu vois Léon, je crois qu'il y a un espoir qui est en train de renaître aujourd'hui. Parce que des paysans sans terre de Porto Alegre, aux centaines de milliers de jeunes qui étaient à Gênes cet été contre le sommet du G8 ou qui étaient dans les rues de Barcelone récemment contre le sommet européen, eh bien, il y a aujourd'hui la volonté qu'un autre monde soit possible. Quand on voit qu'il y a quelques multinationales pharmaceutiques qui imposent un monopole carrément indécent sur l'accès à des soins pour des maladies telles que le sida, eh bien, il y a aujourd'hui une nouvelle génération qui veut que les multinationales arrêtent de faire la loi sur cette planète. Un autre monde est possible. La prise de conscience a lieu. On peut changer l'ordre des choses. Ceci n'est pas un rêve. Car, comme disait Baudelaire, pour ma part, je quitterai sans regret un monde dans lequel l'action ne serait pas la sœur du rêve.